We are very happy. Nous sommes très contents for this meeting, ces réunions. I also bring greetings from Pastor Dan Kwa in Toronto. J'apporte aussi les salutations venant du pasteur Dan Kwa à Toronto. I had the privilege of preaching for his dedication. J'ai eu le privilège de prêcher lors de sa dédicace. It is still proceeding now. La convention, sa dédicace continue jusqu'à maintenant. But I wanted to come to be in this meeting in Milton Keynes. Mais je tenais à revenir pour participer à cette réunion ici à Milton Keynes. So he is aware, the saints are aware of this convention. Alors, as il est well. Au courant, les saints sont aussi au courant de cette convention. So many greetings from Toronto. Alors, beaucoup de salutations de Toronto. Amen. They had a dedication service. Ils ont eu le service de dédicace. A beautiful five-star church. Une église, une très belle église à 5 étoiles. 7-star, really. En réellement 7 étoiles. And when I was there, et quand j'y étais, we all agreed. On était tous tombés d'accord. You cannot ask God to just bless a building. Vous ne pouvez pas demander à Dieu de bénir selon le bâtiment, unless the people, à moins que les gens, who populate that building, qui viennent peupler ce bâtiment, dedicate their lives, consacrent leur vie. So, quite a thought. Toute une pensée. I love that word, dedication. J'aime ce terme-là, dédicace. To me, ce qui me concerne, it is so relevant today. Il est si indispensable aujourd'hui. So many greetings from all the ministers there. Beaucoup de salutations de tous les prédicateurs là-bas. Brother Jim Nyamacha and Frère Jim Nyamacha. Andrew Zulati, so many. Le frère Andrew Lati, oh, bien des gens. But Brother Alpha, it's a great privilege to be preaching tonight. Mais Frère Alpha, c'est un grand privilège de prêcher ce soir. I did not bring slides, but just a short few words for you. Je ne suis pas venu avec mes diapos, mais juste quelques paroles pour vous. Brother, can you pick up Deuteronomy 32? Frère, est-ce que vous pouvez prendre Deutéronome 32? Let's just stand to honor the word of Dieu. Nous pour la parole de Dieu. Pour honorer la parole de Dieu. A very well-known portion. Une portion d'écriture bien connue. Deuteronomy 32 and 11. Deutéronome 32, verset 11. Amen. And you have verse 11 and 12. Amen. Vous avez le verset 11 et 12. As the eagle stirs up her nest and flutters over her young and spreads abroad her wings, taketh them, beareth them upon her wings. So the Lord alone did lead him, and there was no strange God with him. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple, il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. And may the Lord add a blessing to the reading of His Word. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. You can be seated. Vous pouvez vous asseoir. Praise the Lord. Gloire au Seigneur. And that is my title for the tape, brother. Et c'est voilà mon titre, frère, en ce qui concerne la bande. And my theme is the same from Toronto. Et mon thème c'est pareil comme celui de Toronto. And that is dedication. C'est la dédicace. By the way, d'ailleurs, there was a car. Il y a un véhicule with his lights on. Une Golf qui a ses lampes. It looks like PL02. The father could not think for him. Le père ne pouvait pas réfléchir à sa place. Thinking on your way. Réfléchissant sur vos voies. Your way. Vos voies. Your way. Vos voies. We cannot reach you. On ne peut pas vous atteindre. With legalism. Avec le légalisme. You say you must not do this. En disant tu ne dois pas faire ceci. But when you dedicate yourself. Mais lorsque vous vous dédiez. You think on your way. Vous alors réfléchissez sur vos voies. And you turn your feet. Et vous tournez vos pieds. To the testimonies of God. Au témoignage de Dieu. This goes beyond legalism. Cela va au-delà du légalisme. To me it is beautiful. Pour moi, c'est beau. He had to think upon his way. Il devait réfléchir sur ses voies. To come to his conclusion. Afin d'aboutir à sa conclusion. And then he turned his feet.
Ensuite, il s'est tourné les pieds. To return to his father's house. Pour retourner à la maison de son père. It was not his father. C'était pas son père. He was thinking on his way. Il réfléchissait sur ses voies. Amen. Amen. The book of Job. Le livre de Job. Speaks of a man. Parle d'un homme. Who went through deep trials. Qui avait traversé les profondes épreuves. But during those trials. Durant ces épreuves. Job was thinking on his way. Job réfléchissait sur ses voies. He was thinking deeply. Il réfléchissait profondément. Why? Pourquoi? What is going on? Que se passe-t-il? But Job was thinking on his way. Job réfléchissait sur ses voies. And at the end, et à la fin, he realized, il avait réalisé, I abhor myself. I hate myself. Je me déteste. You are your enemy. Vous êtes votre ennemi. That brother is not your enemy. Ce frère n'est pas ton ennemi. That sister is not your enemy. Ce soeur n'est pas ton ennemi. If you think on your way, si vous réfléchissez sur vos voies, you are your enemy. Vous êtes votre ennemi. Praise be to God. Gloire à Dieu. David. He committed a terrible sin. Avait commis un péché terrible. He wanted Bathsheba. Il cherchait Bathsheba. And he arranged. Et il avait arrangé. The death of Uriah. La mort de Uriah. A devout Gentile. Un homme de nation consacrée. But the eye of the prophet. Mais l'œil du prophète. Was watching the situation. Observait la situation. David just continued. David avait juste continué. But Nathan came to him. Mais Nathan est venu le voir. And he forced David to think on his way. Et il avait forcé David à réfléchir sur ses voies. He said, David. Il dit David. A man did this. Un homme a fait ceci. What shall happen to that man? Qu'est-ce qui va arriver à cet homme? David was forced. David fut forcé. To think on his way. À réfléchir sur ses voies. I say. Je dis. When the prophet spoke to him, quand le prophète lui parla, it hit him. Cela l'avait frappé. The gravity of his sin. La sévérité de son péché. David was forced. David fut forcé. To think on his way. À réfléchir sur ses voies. All I can add. Tout ce que je puis ajouter. Thank God for the message. Grâce soit rendue à Dieu pour le message. To Laodicea. À Laodicea. Which is blind and the Russian. No, it's not. Et ne le savent pas. The prophet's message makes you think on your way. Vous faire réfléchir sur vos voies. Moses. Moïse. He had a good life. Avait une bonne vie. You know, prosperity can be a curse. Vous savez que la prospérité peut être aussi une malédiction. Things were good. Les choses ont l'air bonnes. He was herding sheep. Il était en train de perdre les brebis. Wife and family. La femme, la famille. But God came down. Mais Dieu était descendu. And Moses had to think on his way. Moïse dut réfléchir sur ses voies. To think, am I a shepherder? A herder of sheep. Je suis un berger. Or am I following thus said the Lord? Suis-je en train de suivre ainsi dit le Seigneur? You think about your position. Réfléchissez sur votre position. Get into your position. Entre dans ta position. And God will bless you. Et Dieu te bénira. Hallelujah. Hallelujah. Be a mother. Sois maman. Be a real mother. Sois une maman réelle. Don't run from your position. Ne te loin pas de ta position. Think on your way. Réfléchis sur tes voies. Be a real father. Sois un père réel. Think on your way. Réfléchis sur tes voies. Amen. Amen. Praise be to God. Gloire soit rendue à Dieu. Peter thought he was strong. Paul, la Pierre pensait qu'il était fort. Peter said, Lord. Paul, la Pierre avait dit, Seigneur. Me. Moi. I will never deny you. Je ne te renierai jamais. Friends. Mes amis. Enthusiasm. L'enthousiasme. Is not enough. N'est pas suffisant. To make it to the end of the race. Pour y arriver au bout du chemin. Self-confidence. La confiance de soi. Is not enough. N'est pas suffisant. Peter said, Lord, I never leave you. Pierre avait dit, Seigneur, je ne te laisserai jamais. Jesus said, before the cock crows three times, you will deny that you know me. Jésus avait dit, avant que le coq ne chante trois fois, tu pourras renier m'avoir connu. That very experience. Cette même expérience-là. Caused Peter. Avait amené Pierre. To think on his way. À réfléchir sur ses voies. He was not so strong. Il n'était pas suffisamment fort. And you are not so strong. Et vous n'êtes pas suffisamment fort. But Mama Eagle is strong. Maman Eagle est forte. Let's give the Lord a big hallelujah. Donnons un grand hallelujah au Seigneur.
prière avait pleuré. When he realized lorsqu'il s'était rendu compte his ways, ses voies, and that he needed Jesus inside, et qu'il avait besoin de Jésus à l'intérieur, and not beside, et non à côté, but inside, mais à l'intérieur. Praise be to God. Gloire à Dieu. Paul was convinced. Paul fut convaincu that he was right. Il était en ordre. He was a Pharisee. Il était un pharisien. He would imprison the Christians. Il mettait en prison les chrétiens. But Mama Eagle, mais Maman Aigle, was watching Paul. Surveillait Paul. He came down to Paul. Il est venu à Paul. And he said, "Who art thou, Lord?" Et il dit, qui es-tu, Seigneur? That I am Jesus. Il dit, je suis Jésus. Who you persecute? Que tu persécutes? Paul knew the Old Testament. Paul connaissait tout l'Ancien Testament. But he missed Jesus Christ. Mais il avait manqué Jésus Christ. You can read the word, the word, the word. Vous pouvez lire la parole, parole. Let me show you find God in the word. Et soyez sûr que tu lis Dieu dans la parole. Alléluia. Where is the God of Elijah? Où est le Dieu d'Élie? Amen. Are you following? Give me an amen. Vous pouvez suivre, donnez-moi un amen, s'il vous plaît. Praise be to God. Gloire à Dieu. Paul was forced. Paul fut forcé. To think on his way. À réfléchir sur ses voies. And he went to Arabia for years. Et il se rendit en Arabie pendant des années. To think on his way. Pour réfléchir sur ses voies. And when he came back. Et à son retour. Peter and Paul. Pierre et Paul. Were eye to eye on the word of God. Amen. Sur la parole de Dieu. Amen. Praise be to God. Dieu. You think you're strong. Vous pensez que vous êtes fort. Samson was strong. Samson était fort. Oh, he was the strongest man for his day. Il était l'homme le plus fort à son époque. But he gave his strength to God. Mais il donna sa force à Dieu. He gave his heart to strange women. Et son cœur à une femme étrangère. But something happened. Mais quelque chose était arrivé. When the covenant was cut. Lorsque l'alliance fut retranchée, and then his strength left him. Et sa force le quitta. Samson had to think on his way. Samson devait réfléchir sur ses voies. But while he was thinking on his way, mais pendant qu'il réfléchissait sur ses voies, it came to him. Cela lui vint. That he had to give his heart to God. Il devait donner son cœur à Dieu. Think on your way, brother. Réfléchis sur ta voie, frère. I don't know you, but you know me. Tu ne me connais pas, mais je ne te connais pas, mais tu me connais. You hear what I'm saying. Tu entends ce que je dis. Sister. Sir. Young person. Jeune homme. Think on your way. Réfléchis sur tes voies. If you want to make the rapture. Si tu veux y parvenir dans l'enlèvement. It's not just coming to church. Ce n'est pas simplement le fait de venir à l'église. Think about your way. Réfléchis sur tes voies. Ces choses-là en secret. That mommy and dad don't know about. Donc maman et papa n'en savent rien. I'm going beyond legalism today. Je vais au-delà du légalisme aujourd'hui. You think about your way. Réfléchis sur tes voies, toi. Give us a big amen. Donne-moi un grand amen. Praise the Lord. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Samson. Had to think about it. Devait y réfléchir. And then when he came out. Et quand il est ressorti. He had the greatest revelation. Il avait la plus grande révélation. He had to die with the Philistines. Il devait mourir avec les Philistins. And with his death. Et avec sa mort. He killed more Philistines. Il avait tué plus de Philistins. Than with his life. Que lors de sa vie. Praise be to God. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Think about the rapture. Réfléchis sur l'enlèvement. Brother, can I go to another scripture? Frère, est-ce que je peux prendre un autre passage d'écriture? And then you can come back. Alors, vous pouvez y revenir. If you want to, amen. Si vous le voulez bien, amen. All of you that has too many cares. Vous tous, vous qui avez beaucoup de soucis. 1 Corinthians. 1 Corinthiens. Chapter 7. Chapitre 7. And verse 29. Le verset 29. I believe this is for somebody here. Je crois que c'est pour quelqu'un ici. He says, I say this, brethren. Il dit, voici ce que je dis, frère. The time is short. C'est que le temps est court. If anybody disagrees, come and see me. Si quelqu'un est en désaccord, venez me voir. Time is short. Le temps est court. It is later than you think. Il est plus tard que vous le pensez. It remaineth que that both they that have wives be as though they have none. Désormais, ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas.
They that weep as though they weep not. Ceux qui pleurent comme ne pleurent pas. Those that rejoice as though they rejoice not. Ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissent pas. They that buy as though they possess not. Ceux qui achètent comme ne possèdent pas. And those that use this world as not abusing it. Et ceux qui usent du monde comme ne l'usent pas. For the fashion of this world passes away. Car la figure de ce monde passe. But I would have you without carefulness. Oh, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. God wants you with no petty care. Celui qui n'est pas, Dieu ne veut pas vous voir avec des fardeaux, des soucis. Think about the rapture, brother. Pense sur l'enlèvement, frère. We are leaving this place. Nous quittons ce lieu-ci. Don't have big care. N'ayez pas de grands soucis. Think about the rapture. Pensez à l'enlèvement. If you can go back to Psalm 119, that'll be fine. Praise the Lord. Thinking on your way. Réfléchissons sur vos voies. Where were we? We were at Samson. On était avec Samson. Let's go to Jacob. Allons-y voir Jacob. He was left alone. Il était laissé seul. He thought he had the blessing. Il pensait avoir la bénédiction. But he had the blessing to get. Mais il avait la bénédiction à retrouver. Maybe you spoke in tongues. Peut-être vous avez parlé en langue. Maybe you had a born again experience. Peut-être que vous avez eu une expérience de la bénédiction. You still need to wrestle with the angel. Encore là, vous avez besoin de combattre avec l'ange. You have not arrived yet. Vous n'êtes encore pas arrivé. It was the birthright. C'était le droit de naissance. That was causing Jacob's death. Qui provoquait la mort de Jacob. When you get blessed, quand vous êtes béni, you carry on. Vous continuez. You dedicate your life. Vous consacrez votre vie. You get on your knees. Vous vous agenouillez. Praise the Lord. Va au Seigneur. Don't think I got it. Ne pensez pas à gêner. You've got it to get. Vous l'avez à trouver. Brother Branham said to his congregation. Frère Branham avait dit à son assemblée. Does anybody need a demon cast away? Y a-t-il quelqu'un qui a besoin qu'on lui chasse le démon? Or a sickness? Ou une maladie? Do you want me to pray for you? Voulez-vous que je prie pour vous? He said, I can take away that demon right now. Il dit, je peux vous ôter ce démon immédiatement. I will pray for you now. Je vais prier pour vous maintenant. The demon will go. Le diable s'en ira, le démon s'en ira. But you have to keep that demon away. Mais c'est à vous de garder ce démon éloigné. Il dit, je ne peux pas le garder éloigné de vous. You have to keep your healing. Vous devez garder votre, conserver votre guérison. You have to keep your deliverance. Vous devez conserver votre guérison. You have to keep the victory. Vous devez conserver votre victoire. You have to keep the door closed. Vous devez garder la porte fermée. When Satan comes knocking at the door. Quand Satan vient frapper la porte. You have to say no, devil. Vous devez dire non, Satan. I'm keeping the victory. Je garde la victoire. Can somebody shout amen? Because the birds will come down. You have to say no, you don't care. Behind me, Satan. Praise the Lord. Wow, Seigneur. Dedication. La dédication. Dedication. La dédication. Jacob was left alone. Jacob était resté seul. To think upon his way. Afin de réfléchir sur ses voies. He thought I've got the blessing. Il pensait j'ai la bénédiction. But he had to wrestle with God. Il devait lutter avec Dieu. Face to face. Face à face. To get his portion for the day. Pour trouver sa portion du jour. Joshua had to think. Josué devait réfléchir. Amen. Amen. Because he was losing battle. Parce qu'il perdait la bataille. And when you have secret sin in your camp. Et lorsque vous avez le péché en secret dans votre camp. It's not a good recipe. Ce n'est pas une bonne recette. You will start to lose your battles. Vous allez commencer à perdre vos batailles. So Joshua had to think on his way. Parce que Josué devait réfléchir sur ses voies. And he had to kill Achan without mercy. Il devait tuer à force en miséricorde. For the victory to return. Avoir la pour que la victoire retourne. And you have to kill that sin without mercy. Et vous devez tuer ce péché sans miséricorde. Even if it takes the skin off you. Même si cela
exiger dans votre peau. Get right with God. Soyez en ordre avec Dieu. Jacob had to think upon his way. Jacob devait réfléchir sur ses voies. William Branham. William Branham. Told a lie. Avait raconté un mensonge. He was under such pressure, you know. Il était sous une telle pression, vous le savez. He said, Mira, il dit, Mira, I can't take it no more. Je ne peux plus supporter ça. Là, je ne suis pas là. And he ran outside the house. Et il est sorti de sa maison. It was a lie. Ce fut un mensonge. He came back in. Il est revenu. Mira said, Bill. Mira avait dit, Bill. Was that right? Était-ce quelque chose de juste? I wasn't in the house. Elle dit, je n'étais même pas dans la maison. She said, but you ruined their telephone. Elle a dit, mais tu étais là quand on a eu le coup de fil. Thinking on our way. Réfléchissant sur nos voies. Thinking on our way. Réfléchissant sur nos voies. But the Branham said she's right. Branham dit, elle a raison. He came to pray for a baby. Il est allé prier pour un bébé. It was prayer mixed with a lie. C'était la prière mêlée au mensonge. And God told him. Dieu lui dit, get your hands off that baby. Enlève tes mains de ce bébé. You cannot pray for that baby until you make that thing right, amen. Oh, no. Amen. He had to go back. He said, sorry, sir, you stay there. He had to run back to the lawyers. I repent, I told you a lie. He was thinking on his way. But he turned his feet to the testimonies of God. Alors il s'est détourné les pieds du témoignage de Dieu. That dedicated prophet. Ce prophète consacré. The lawyer said, Brother Branham. Monsieur l'avoué dit, frère Branham. I've always respected you. Je vous ai toujours respecté. But now I respect you even more. Mais maintenant je vous respecte plus. He was thinking on his way. Réfléchissant sur ses voies. Church, église. We've got to get serious. Nous devons être sérieux. If my people. Mon peuple, that are called by my name, appelé par mon nom, would humble themselves and pray. Et prie, I would hear from heaven. J'exaucerai du ciel. Imagine, Pastor Gwena. Imagine, Pastor Gwena. Some trucks going right down the center of London. Il y a un gros véhicule qui parcourt le centre de Londres. 7 trucks of wheelchairs. Un grand camion avec des chaises roulantes. Going right down Buckingham Palace. Qui parcourt à travers Buckingham Palace. And 25,000 people. Et 27,000 personnes. Saying, holy believe. En disant, crois seulement. Holy believe. Crois seulement. And that came from one prayer. Et cela est venu d'une seule prière. Church, as I close. Église, alors que je termine. Think on your ways. Réfléchis sur tes voies. God has got big plans for you. Dieu a des grands projets pour toi. But you can't live like that. Mais tu ne peux pas vivre comme ça. Think about your life. Réfléchis sur ta vie. I am preaching to myself as well. Je suis en train de prêcher à moi-même aussi. Let us be so sincere. Soyons aussi sincères. That we will bind that mamba. Au point de lier ce mamba. Not sincere, more than sincere. Pas sincère, mais plus que sincère. Mama Eagle. Mes règles. Has got a great plan for you. Il a des grands projets pour vous. We, the bride. Nous, l'épouse. We're going to shake London. Nous allons ébranler Londres. We're going to shake London. We're going to shake this godless country. Nous allons ébranler ce pays sans Dieu. With all their gay marriage and all their rot. Avec leur mariage homosexuel et leur politique. Il est temps for this place to be shaken. Que ce Dieu soit ébranlé. Alléluia. But before God can shake Britain. Mais avant que Dieu ébranle la Grande-Bretagne. He has to shake you. He's watching you. Vous surveille. Now be careful. Maintenant, prenez garde. God likens himself to eagles. Dieu se ressemble à un aigle. If you can hear me, give me an amen. When we talk about eagles, quand on parle de l'aigle, we are talking about God. On parle de Dieu. He likens his heritage to eagles. Il ressemble son héritage à des aigles. Mama Eagle is so great. The little eagle looks up. Le petit l'aigle le regarde. Says how great thou art. Oh,
eagle, la cette mère aigle, last quotation, dernière citation, has got plans for you. A des projets pour vous. Amen. Last quotation. Dernière citation. When the little ones are born, quand les tout petits sont nés, they have a nice cozy bed to lay. Ils ont un lit très confortable dans lequel se coucher. Everything's going nice. Tout va bien. Everything's going good. Tout va bien. But this mother eagle, mais cette mère aigle, takes a notion. Prend note. She can see the feathers. Elle peut voir les plumes that are coming on the baby eagle. Qui poussent sur l'aigle. And but she is determined. Elle est déterminée. You will not be earthbound. Que tu ne seras pas attaché à la terre. Yes. Oui. She can see your feathers. Elle peut voir tes plumes. Those feathers. Ces plumes là. Are eagle feathers. Sont les plumes de l'aigle. But they won't fly. Mais ne vont pas s'envoler. They are baby feathers. Ce sont des plumes bébés. They are loose feathers. Elles sont des plumes détachées. Mama eagle wants you to have the real feathers. La mère aigle veut que vous ayez des plumes réelles. She wants you to fly. Elle veut vous voir voler. She wants you to be in the rapture. Elle veut vous voir dans l'enlèvement. It's more power than healing. C'est plus de puissance que la guérison. This is rapture power. Ça c'est la puissance de l'enlèvement. This is the real fight. Ça c'est le vol réel. This is not the little thing. Ce n'est pas la petite chose là. Oh, praise the Lord, I had a headache. Gloire au Seigneur, j'avais des maux de tête. And I was healed. Et je fus guéri. The Pentecostals have that. Les Pentecostals ont ça. You cannot pull them out. Vous ne pouvez pas les soutenir. They are too powerful. Elles sont aussi puissantes. Church, église. God wants you to grow. Dieu veut vous voir grandir. Dedicate yourself. Consacrez-vous. Hold on to those promises. Accrochez-vous à ces promesses. God has got a plan for your life. Dieu a des projets pour votre vie. And he said, those small feathers. Il a dit ces petites plumes là. Let them go. Laissez-les partir. Fan those feathers away. Et il est long, il est temps de chasser ces plumes-là. They are the small feathers. Ce sont les petites plumes. Because he wants the big feathers to grow. Parce qu'il veut les grandes plumes pousser. The real feathers. Les plumes réelles. And then we're going home to glory. Alors nous irons chez nous dans la gloire. Dedication. La dédicace. Dedication. La dédicace. Dedication. La dédicace. Praise be to God. Gloire à Dieu. Brother Brad went to the rodeo. Frère Branham est allé à Romeo. He said, I'm a cowboy. Et il dit, je suis un cowboy. I'm a cowboy. Je suis un cowboy. Until he was watching. Jusqu'à ce qu'il observe. How those horses can kick those cowboys off. Comment ces chevaux peuvent pas se faire basculer.